Où est mon manteau? Je l'ai ici avec moi. Oh, Alice! Oh! J'arrive. Calme-toi un peu, Angelina. Pourquoi êtes-vous si pressée? Si nous ratons l'autobus, il faut attendre le suivant une heure. Les billets pour Mimi et Mickey Sourioff sont en vente à partir de ce matin. Les plus grands danseurs de tout l'univers. Au revoir. Au revoir. Et je crois que ce sont de grands amis de Mademoiselle Lily. Ah, vraiment? Je pourrais peut-être écrire un article sur eux dans notre journal. À tout à l'heure. Regardez où vous mettez les pattes, petit écervelé. L'autobus ne s'est pas arrêté. Nous sommes arrivés. Et voilà les billets. Merci. Désolé, plus de place. Jumelles qui ont acheté les deux derniers billets. Oh, pauvre Angelina. Quelqu'un devrait lui offrir un réveil matin. Oh, c'est injuste. Ces billets nous revenaient, Alice. Nous devons trouver un moyen de les récupérer. J'espère que tu plaisantes. On ne mettra jamais une chose aussi ridicule. Oh. Alors, je vous propose ça, d'accord? Oh, malheureusement, je ne porte jamais de rose. Et toi, Pénélope? Nous avons deux magnifiques capes de velours bleu. Oh, d'ailleurs, nous les porterons ce soir pour aller voir le ballet. Youhou! Abandonne, Angelina. Nous ne céderons nos billets pour rien au monde. Même pas pour ça? Oh. Oh, Angelina, tu ne peux pas. C'est ton cadeau d'anniversaire. Tu as raison, Alice. C'est trop beau pour un échange. Mais nous pouvons la mettre en jeu. Celle qui réussira à faire le plus de pirouettes gagnera la boîte et les billets. Oh. Ça ne nous intéresse pas. Tu es d'accord, Priscilla? Oh. Tu es d'accord, Priscilla? Oh. Mais elle est tellement jolie. Je sais exactement où je vais la mettre dans notre chambre. Oh, c'est injuste. Oh. Ce n'est pas si grave, Angelina.
Nous irons voir Mimi et Mickey Souriof la prochaine fois qu'ils passeront en ville. On va devoir attendre des années. Alice, tu es un génie. Oh. Je ne comprends pas pourquoi Mimi et Mickey Souriof nous donneraient des billets gratuits. Parce que nous sommes des futurs petits rats, bien sûr. Je ne suis pas un futur petit rat. Chut. Mais où est-ce que vous allez? Je suis Mademoiselle Lily. Je viens rendre visite à des amis, Mimi et Mickey Souriof. Je vois. Hein? Mademoiselle Lily. Encore un effort, Alice. J'ai égaré mon porte-monnaie. Je vois. Allô, chérie, est-ce que tu m'entends? Je crois que nous avons un problème. Oui, je crains que oui. C'est terrible, en effet. D'accord, à tout à l'heure. Oh, ma petite chérie, tu as fait ton mieux. La prochaine fois, je passerai la nuit à dormir devant le théâtre dans une tente. Oui, ma chérie, tu trouveras une solution. Une semaine, s'il le faut. Je comprends. Allez, viens manger ton dîner, ma puce. Oh. Un effort, Angelina. Tu n'aimes plus ma tarte au fromage? Désolée, maman. Coucou. Bonsoir, papa. Pourquoi ce museau si triste? Les ballets russes dansent ce soir et je n'y vais pas. Il n'y avait plus de billets. Tu en es sûre? Plus un seul? Oh, mais... Oh, non. Mais... Va mettre tes plus beaux habits, j'ai un travail à te confier. Oh, ma cape en velours est déchirée. Non, elle est comme neuve. Hein? Oh, merci, maman. J'appelle la maman d'Alice pour lui expliquer la situation. La soirée n'est pas terminée. Tu as un travail à faire pour moi. Oh, c'est vous. Entrez.
Je voudrais vous présenter ma fille, une jeune ballerine, et sa meilleure amie Alice. Mais c'est un honneur. Oh. Angelina va vous poser quelques questions pour le journal de Souriville. Oh. Oh. C'est pour toi. Je ne me laverai jamais plus cette pâte de la vie. Jamais. Je crois que c'est l'autre qui l'a embrassée. Je ne la laverai plus non plus pour être sûre. Merci beaucoup pour tout, papa chéri. Ta maman y est aussi pour quelque chose, ainsi que mademoiselle Lily. Beau travail, chérie. Tu as écrit un article très intéressant. Évidemment, je deviendrai une grande ballerine quand je serai grande. Ou alors, peut-être que je serai une grande journaliste.